Bonjour, je m'appelle Caroline Schall. Je représente le SICTOM, qui est une structure publique française qui gère les déchets ménagers de l'ensemble de l'Île-de-France, dont Paris, c'est-à-dire pour à peu près 6 millions d'habitants. Au sein du SICTOM, je m'occupe des partenariats internationaux et c'est à ce titre que nous sommes ici. Nous allons supporter l'AFD et le ministère serbe de l'Environnement pour travailler avec vous à imaginer des solutions que vous avez déjà en partie construites pour une gestion efficace des déchets ménagers et surtout voir comment vous pourriez atteindre très très vite vos objectifs ambitieux. Zovem se Caroline Schall, ja sam iz SICTOM-a, to je dakle francusko javno preduzeće koje je zaduženo za upravljanje komunalnim otpadom i u parijskoj regiji koja broji 6 miliona stanovnika. Zaduženo sam za međunarodnu saradnju i došli smo danas ovde u Srbiju kako bismo pomogli AFD-u, odnosno Francuskoj agenciji za razvoj i vašem ministarstvu za zaštitu životne sredine kako bismo još bolje implementirali dakle, rešenja koje ste već uspostavili kako biste efikasnije mogli da upravljate komunalnim otpadom i takođe svim ostalim pratećim aktivnostima. Alors, la Serbie a un programme ambitieux et surtout vous vous êtes donné un temps très court pour développer des infrastructures efficaces de traitement des déchets. Nous en France, on a eu le temps de nous installer peu à peu dans un système à peu près performant. Et c'est ça qui fait tout le challenge de la Serbie et qui est très stimulant pour nous qui allons pouvoir travailler un peu avec vous. C'est parce que nous allons essayer de voir comment, dans un temps record, vous pourriez obtenir d'ores et déjà des résultats au service de toute la population pour garantir une collecte et un traitement efficace et surtout répondre aux devoirs de salubrité publique et ensuite plus tard de trouver des moyens de développer l'économie circulaire. Dakle, Srbija je sebi svakako postavila jedan veoma ambiciozan cilj. Dakle, mi u Francuskoj smo imali tu šansu da smo imali dosta vremena da uspostavimo ovo, dok ste vi u Srbiji sebi postavili vrlo kratke rokove, tako da mi smo tu videli jedan veliki izazov u saradnji sa vama, kako bismo mogli da vidimo da jednom rekordnom vremenu uspostavimo rezultate koji će biti manje više slični onima u Francuskoj, kako biste mogli da imate što efikasnije prikupljanje otpada, njegovo sortiranje, ali takođe kasnije u razvoju cirkularne ekonomije. Alors, le tri en France a véritablement démarré de façon industrielle à la fin des années 80, au début des années 90. Et vous voyez, nous sommes en 2024 et on continue à améliorer le système. Et les résultats, il faut être extrêmement honnête, ne sont pas tous de la même qualité sur l'ensemble du territoire. Nous avons tâtonné, nous avons pris des chemins, puis ensuite pris d'autres chemins, et on a développé un système extrêmement sophistiqué de financement des déchets. Vous allez avoir moins de temps, et finalement c'est une chance, parce que vous allez pouvoir trouver des solutions immédiatement efficaces et faire coexister des systèmes pragmatiques, des systèmes industriels pour adapter véritablement votre mode de traitement aux réalités locales. Et c'est ce qui est formidable, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de l'expérience de tous ceux qui ont commencé il y a très longtemps, qui ont fait des erreurs, et pour moi ces erreurs, vous ne les ferez pas. Što se tiče dakle, samog sortiranja otpada u Francuskoj na nekom industrijskom nivou, to je počelo negde krajem 80-ih ili početkom 90-ih godina. I kao što možete biti svesni toga, dakle, sada smo 2024. godine i mi smo i dalje u toku poboljšavanja toga. Dakle, rezultati nisu istovetni dakle, na celokupnoj teritoriji, negde su bolje, negde su loši. I dakle, mi u toj našoj putanji smo imali korake napred i nazad. I bilo je tu, da tako kažemo, i grešaka i gubljenja vremena i vi ćete svakako imati tu prednost da ćete moći na jednom kraćem roku da sprovedete to i da naučite na tuđim greškama i da sprovedete nešto što će imati malo pragmatičan ili industrijski pristup kako biste mogli da imate što efikasnije, dakle, sam tretman i preradu otpada.